Avec combattant, aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de totalement différent de ce que je fais d'habitude. Je suis en roue libre. Je vous explique la petite histoire. J'ai un casque vert, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi un casque classique, mais ça, tout le monde s'en fout. Alors, la petite histoire, j'étais en train de tester la nouvelle mise à jour de mon jeu préféré en réalité virtuelle, qui s'appelle Boneworks. Dans la mise à jour, ils ont ajouté une petite map pour tirer sur des cibles, quoi. C'était sympa, je me suis amusé. Et au bout d'une heure de jeu, je vois qu'il y a une genre d'énigme. Bon, je suis l'énigme, j'essaie de la comprendre, je la suis comme ça pendant une petite heure, je tue des ennemis, ça s'accélère, on s'amuse bien quoi. Et là, à la fin de l'énigme, je me retrouve téléporté dans... je ne sais pas ce que c'est. Et à première vue, ça a l'air d'être un nouveau niveau, à première vue. Donc voilà, je n'étais pas au courant de ça. Peut-être que je dis de la merde, peut-être que ce n'est pas du tout un niveau et que je suis en train de faire une vidéo pour rien. Mais ça a l'air d'être un nouveau niveau et moi, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que j'étais en train de découvrir un truc de ouf incroyable. Alors on se lance, c'est parti pour la réalité virtuelle. Bon, donc là, moi, je viens d'arriver, c'est un nouveau niveau, j'ai l'impression. Ça se trouve, c'est rien du tout. Donc bon, on va voir. Alors, j'ai zéro munitions. J'ai rien dans mon inventaire. Bon. Alors. On va voir. Oh, bah déjà, il y a un flingue. Oh, il y a un nouveau flingue. Wouh. Pardon, excusez-moi. J'adore ces développeurs, ils sont incroyables. Ah, il est lourd. Alors, comment on fait pour viser, là? Ah, le viseur est grave bien. Alors... ah, je suis trop excité. Vous pouvez pas savoir à quel point, c'est un truc de ouf. Moi, je croyais que ça y est, j'avais fini le jeu, il n'y avait plus rien à voir. Et là, ils font une mise à jour et puis il y a un nouveau niveau. Enfin, j'ai l'impression que c'est un nouveau niveau du moins. Un nouveau niveau. Nouveau niveau? Nouveau niveau. Je vais arriver à parler. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Alors... alors, il paraît que j'ai éteint quelque chose, là, on dirait. Je vais laisser comme ça pour l'instant, je vais suivre le tuyau pour voir où ça mène. Alors dans ce jeu, il faut regarder... je me suis cogné contre le truc. Il faut regarder un peu partout. Non. Alors, il faut regarder un peu partout. Il faut parce qu'il y a des munitions de cachet, voire même des petits objets. Et là, comme c'est un nouveau niveau, j'aimerais rien rater. Alors, ouh, ça va être difficile de sauter là-haut. Non, j'ai tout cassé. Je suis passé dans le trou mais j'ai emporté la barrière avec moi. Oh, c'est pas grave. Alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose là-haut là. Là, vous avez vu? Je suis pas fou. Il doit y avoir quelque chose. Alors moi je suis ce genre de joueur un peu cancer qui cherche tout dans les petits recoins ce qu'il y a. Mais ça se prête bien ce jeu là parce que les développeurs aiment beaucoup faire des petites farces, cacher des choses. Ils ont l'ampoule. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Bon, je vais encore tout casser, c'est ça? Ah ouais, je crois qu'il y a quelque chose dans le petit bac bleu là. Je suis bugué. Oh, c'était chaud. Alors vous avez vu, le jeu est complètement physique hein. Regardez. Là, je suis en train de me soulever là. J'adore ce jeu. Hop. Range ça dans mon dos. Bon bah on va tous se faire casser la gueule, j'ai l'impression que c'est... que c'est léger. Bordel. Ça balance, j'arrive pas à taper comme il faut. Arrivé. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y avait quelque chose. Ah. C'est un cube, c'est un dé. Incroyable. Alors ça, ce sont des objets que l'on peut récupérer et avoir dans les autres modes de jeu. Comme je vais aller le poser dans la benne là-bas. Hop.
Raté. Mais bordel. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, c'est bon, on a entendu le bruit, c'est tombé dedans. Alors, j'ai récupéré le petit truc là-haut. Là-bas, ça doit être la suite de la quête. Parce que, comme vous le voyez, il y a un petit œil là. Et c'est les yeux que j'ai suivis pour la petite enquête d'avant. Qui m'a mené à ce nouveau niveau. Il y a quelque chose là-dedans. Moi, je suis le mec qui fouille les poubelles. Mais pas pour rien. J'ai trouvé un donut. Bon, ce n'est pas un donut, mais c'est un objet que j'aurai plus tard. Parfait, c'est demi et tout. Mais à chaque fois, je fais ça. J'ai trop joué à Half-Life Alyx. C'est trop différent. Ah, il y avait une petite hache là. Pas petite, une grosse hache. Hop. Salut toi. T'es bloqué mon petit. On dirait bien qu'il y a un cadenas entre nous. Laisse-moi regarder s'il n'y a pas des objets. Non. Il y a l'air d'y avoir rien du tout là-dedans. Allez, release the Kraken. Je vais y arriver. Raté. Non, j'arrête les conneries. Il est mort. C'est comme si je mettais un casque vert. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, c'est là qu'il y a un truc caché. J'ai eu une crêpe. Après, hop, on saute. Ah. Rien. Le mec affreux. Alors, allez. Allons-y. Toujours en train de balancer le truc là-bas. Il y a du bruit là derrière. Ah. Je fais bien de regarder en l'air. Raté. Je peux monter là-dessus. Encore quelque chose. Oh, le petit rebond sur le bord du panier, pas dégueu. Allez, on y retourne. Hop. Bam. I'm back in the building. Ah, j'ai perdu mon hache. Faut bien la tenir en même temps. Une énigme. Le mec, c'est, il se gratte la tête avec sa hache. Oui. C'est forcément une énigme. Hop. Et voici, alors, le jeu est pas mal inspiré d'un jeu que vous reconnaîtrez grâce à cette arme. À vous de deviner. Bon, on va utiliser autre chose. Ça va me tomber dessus. Quel con. On va l'éviter de bugger, celui-là. Voilà. Y'a pas un petit quelque chose qui est sorti avec? Non. Alors, je peux sauter là, c'est ça? À quoi bon ça? Ah oui, ça c'est une passerelle pour qu'on puisse monter de manière... Parce que la technique que je fais pour escalader, elle est pas très très legit. C'est que pour les joueurs expérimentés quoi. Les pros du parcours. Chouah.
C'est pas bon là. Faut que je remette mon câble au-dessus de ma tête dans le bon axe. Où êtes-vous? Voilà, vous êtes par là? Je crois que vous êtes par là. Je vais essayer de jouer face à vous, ça serait quand même mieux. À peu près par là. Si ça se trouve, je pense que j'ai pas pointé dans le vide. Et vous vous êtes foutu de ma gueule. J'en suis sûr. Ah, oh là, j'ai du mal. Alors, oui, c'est la technique du gorille. J'abaisse mes... Je me mets tout accroupi comme ça. Je ferme les poings et je me lève comme ça. C'est la petite technique pour escalader. Hop. Oh, il y a un head crab là. Vas-y, ma poule. Bam! T'en veux encore? T'en veux encore? Ma femme me le dit souvent. Non, je dis. Bon, je le dis souvent. Bon, vous avez compris. Fuck. J'ai raté ma punchline dans le merdique. Fuck. Raté. 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 Ouais. Ouh. Salut toi. Ah oui, j'ai. Bon, j'ai un petit doigt cassé comme vous voulez voir. Ma manette est un peu buggée. J'ai reçu mon casque, une semaine après mon doigt était comme ça. C'était un vrai plaisir. Ouh. Non. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? On n'est pas dans Half-Life. Hop. Oh. Oh là là. Assassin's Creed Move. Mesdames, messieurs. Cha, cha. Je crois que je le rate. Ah. C'était mi-raté, mi-raté. J'ai quand même touché et j'ai quand même eu. Ouh, alors on se met dans l'acide? On prend un petit bain? Oh, il y a juste la tête qui dépasse là. Tu veux quoi toi? Viens. Vous allez tous tomber. Chat. Tombe dans ta déchéance. Il me tue ce jeu. Putain. Oh. Non, ça marche pas. Ah, c'est fort ces trucs au corps à corps. Bien sympa. Un de l'autre côté à récupérer. Mais lui il va aller se baigner tout droit, d'accord. Ça l'attire pas de faire du bruit. Oh, il n'a rien senti. Au secours. Il est en vie. Raté. Ah, faut que je m'améliore. Regardez-le. Oh là, je crois que t'en as perdu une, mon frère. Tu veux que je t'aide à la ramasser? Tiens, je vais te la rendre, je vais te la rendre, bouge pas. Don't move. Il est pas mort encore. Mais il est indestructible. Tu vas crever maintenant. Je crois qu'il est mort. Petit bug de son hein. Je suis pas très bien. Un truc là-bas. Viens là. Viens là. Je suis sûr qu'il y a un truc là-bas. Et genre on s'accroche à ça et on fait tout le trajet là. Bon. Je vais pas faire mon relou hein. Je vais pas faire mon relou. Ah, il y a un truc là. Caliber. Mais ils prennent. C'est de la merde cette arme. Regardez, regardez. Je vais planter dans la tête. Il a rien. Voilà. Rien de mieux que les armes à feu. Par contre, j'ai pas perdu ma hache par hasard parce que là. Voilà, j'arrivais pas à la choper. Ça sera mieux quand même avec ma hache dans le dos. Alors, est-ce qu'on en a fini? Parce que là, il semblerait que j'ai un truc pour me donner des munitions limitées, ce qui n'est pas forcément. Ah. Faut tirer dessus, j'imagine.
Ce qui n'est pas forcément ce qui se passe habituellement dans les niveaux du jeu. Mais bordel, j'ai quelque chose là-dedans? Bah oui, dans mon fion. Ah, quoi ce bruit? Bon, ces deux armes, je les connais déjà. Ce sont celles qu'il y avait dans le jeu avant. Je vais garder celui-là. Alors... Ah non! Il y en a 100 disponibles! Ah oui, mais il y a 100 fois je sais pas combien. Bah moi je prends tout. Allez, vas-y! La douche! La douche! Non mais... Si j'y arrive bien... Pomper là! Tomber, tomber la chemise, tomber là. Allez, plus que 20, plus que 15, allez on y est presque, plus que 10, plus que 1. Bah. Alors, tous ceux qui croient, et ceux qui croivent là, ceux qui croivent que la VR, ça fatigue pas. Quand vous faites le con comme ça, je vous assure que ça vous fait suer. C'est pas mal comme activité de confinement, n'est-ce pas? Ça vous fait un peu de sport. On s'amuse bien avec la VR. Hein. Moi, je suis un adepte. J'aime beaucoup ça. C'est comme Mountain Blade. C'est le feu. Look up. Bon, bah oui, j'ai déjà look up. Merci, merci. Merci, Captain Obvious. Alors, regardez, je vous l'avais dit. Il y a un truc là-bas. Bon, désolé, désolé à ceux qui regardent ça, mais j'ai... Moi, je prends tout, moi. Je vais crever, pour sûr. Hop. Ça va, ça a l'air d'être assez facile de rester agrippé à ce truc-là. Ouais, je peux même me balancer en dessous, ok, c'est bon. Il y a des parois qui sont plus faciles à agripper que d'autres. Bon, là, je peux prendre le truc sur le côté, il n'y a aucun problème. Oh. Chat. 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 Oula. Voilà. Chat. Ah, c'est le moment où il faut pas se rater. Hein. Oh oh, je me suis brisé la main. Hop. Hop là, mon inventaire. Qu'est-ce qu'il me reste comme place? J'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais enlever? La hache? Oh non, je les trouve pas très bien ces trucs là en haut. Hop, je vais au moins en enlever un. Hop, ça c'est mon épaule en haut à droite. Allez, on garde les bras levés. Et c'est parti, une et deux, et une et deux. Ça fait mal au bras, hein. J'ai pas à supporter mon poids, mais... Quand même. Gardez les bras levés comme ça. Hop, on va passer au-dessus du truc comme ça, ça ira mieux. Ouais, je peux monter là-haut, l'intérêt est minime. On va le faire maintenant. Voilà, on utilise le temps. Et paf! The gates are open. Alors. Bon allez, on va faire l'escalade à la dure. Je passe pas par le pont, moi. Ah, ils ont vraiment amélioré l'escalade sur les dernières mises à jour. C'est le feu maintenant. Ça donne plus trop la gerbe. Ah, peut-être que ça gigote un peu pour vous, mais moi je suis habitué. Excusez-moi. On s'excuse, on fait ce qu'on peut. Ça, c'est une technique de bodybuilder. Pardon. Le mec il se soulève en mettant les mains jointes. Comme ça. Ah, je suis déçu, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un autre truc là. Je suis monté comme ça pour rien. Alors. Chop. Coucou, il y a des ennemis. Ah, il y en a un là. Il y en a un autre là. Ah, je vais pouvoir faire une Assassin's Creed. Tan 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 tan. J'ai raté mon Assassin's Creed. Chut. Chut.
passé. Chut. Chut. Je ne suis pas tombé. Je n'ai pas fait de bruit, c'est faux. Quelle vie. Bon, ça m'a gavé. Voilà, comme ça. Comme ça, tout doucement. J'ai raté! Ça l'a tué? Ça l'a tué! Bien sûr que ça l'a tué. C'était prévu. Dun, 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 dun. Mais crève à la fin! Un autre objet. T'as pas envie de jouer? On va jouer! Ah, j'ai encore raté! Mais quelle nullité! J'ai essayé de faire des moves sympas, mais ça passe pas. Bon, alors une autre arme à jarter. Pour celle-là, bon, hein, ça passe vraiment pas, c'est pas mon truc. Alors là-dedans, je crois qu'il y a des ennemis. Eh oui! Voilà, maintenant vous le savez. Ah non, non, mais ils sont tous en train de se libérer les uns les autres! Ça suffit? Je voulais juste vous montrer qu'il y en avait un! Pouh! Il était pas mal celui-là. Il est bien passé. Ah, il y a des munitions. Merci. Ah! Alors on a des problèmes. Comment ça se passe, mon petit? Hein, dans la vie. Je te laisse là, moi. T'as l'air bien, tu fais du sport, confinement, tout ça. Tu jogues un peu là, tu flexes. Il est énervé. Il veut me bouffer. Salut, hein. À la prochaine. On se retrouve à la prochaine séance de sport. Hein. Tiens bien ta diète. Manger équilibré tous les jours, c'est important. Alors. Merde, ma hache. Oh putain, mais il est là. Saloperie. Bon, ici, je suis tout seul, ça va. Il a pas voulu me laisser partir, salaud. Hop. Merde, alors on va taper comme il faut. Voilà. Alors. Il y a un trésor là. Regardez. Je suis pas fou. Regardez. Je regarde partout, mais ils en ont mis partout des trucs. Il est génial ce niveau. Encore un. Oh, un ballon, excellent. Sauf que je me retrouve avec moins en moins d'armes. Allez, on va aller enlever le double flingue. Quoi? Quoi? Il est où? Ouh, les saloperies! Putain! Merde, c'est vrai que j'ai plus de place. Bien pour taper ça. Alors. Ok. Comme dans Call of Duty, sauf que j'ai pas de couteau. Hop, je remets mon casque en place. On est parti. Alors vous êtes derrière votre écran, mais moi quand je suis dans un corridor comme ça, ça fait flipper. Ah, je vais ouvrir le temps tout doucement. J'ai ouvert la porte en haut.
On changeait les poignées, c'était pas comme ça avant, je crois. Infini. Oh, mais j'ai déjà 4000 munitions, à quoi bon? Oh, j'ai cru que c'était un nouveau flingue. Ah, et ben voilà! On a ce qu'il nous faut. Et quelqu'un? Quelqu'un? Ah, mais je suis pas arrivé au terrain de. De range? Qu'est-ce que c'est ça? Un timer avec 0 sur 45. Ah! Imbécile, il faut lire. Tuer toutes. Enfin, éliminer toutes les cibles. Vider le parcours d'obstacles. Je suis timé. Appuyez sur le bouton to begin. Ok. On va jouer avec ça. On y va. Begin. Arrêtez de vous moquer. Nouvelle musique. Ah. Eh ben j'ai du mal avec les touches. Ça passe plus. Ah mais parce qu'il y a un truc là, imbécile. Oh là là, je suis timé. Bon allez, faut que je me dépêche. J'ai même perdu mon arme, bordel. Qu'est-ce que c'est? Un autre flingue, y'a pas de balle dedans. Putain mais... Bon, ça m'étonnerait que ça passe au travers. J'ai tenté. Ah là, il faut que je me retourne. Quelle vie! J'ai mon câble qui s'en mêle. Force de tourner. Faut que je remonte. Ah. Allez vite. Non! Je suis en train de perdre du temps. C'est nul ce que je fais, c'est nul. Ouais, j'ai du mal. Oh la vache. Encore 10? 9 même.
Ciao. Vas-y ma poule. Non. Allez, mais rentre là-dedans. Plus qu'un. Je crois qu'il est vers le haut. Non. T'es où, sale bête? J'ai oublié au début parce que j'étais trop rapide. Il est là. Tu. La fin du niveau. Ah non, ça y est, c'est terminé. Bon, et bah dis donc, c'était chaud. Ça m'a fait suer cette merde. Ouh, je suis tapé contre le béton. Not this way. C'est sûr que si, c'est this way. Oh là là, j'ai débloqué quelque chose d'autre. C'était quoi cette manière de tenir le truc là? C'est quoi ce délire? Arrêtez de bouger toi! Ah énorme, ça c'est un truc... C'est une référence à un truc VR qui date un peu. Je crois. Si je ne me trompe pas. Oh là, bon. Compliqué ce soir de jouer à la VR. Reset. Non merci, on va passer à la suite s'il y a autre chose. Sinon je l'aurais bien refait, je le referai plus tard. Merci beaucoup. Hop. Oh yeah. Je vais y arriver. Allez. Il veut pas crever. Je leur plante l'épée dans la gueule, ils peuvent pas. Je crois qu'il a oublié un truc. T'es pas mort. Mais c'est incroyable. Ils ont augmenté les HP. Tu as crevé. Oh oui. Le moulinet, on l'appelle le moulinet. Ok, il est mort. Oh lui. Bouge pas. Le moulinet, on l'appelle le moulinet. J'ai raté mon moulinet. Allez viens. Ils sont combien là? Ils sont combien, il y en a derrière moi?
chérie. Tu veux la... Je la veux, garde-la. Putain, c'est pas une épée à deux mains. Tiens, bouffe-le, bouffe-le. Il l'a dégommé. Ah, j'ai mon... J'ai mon câble qui est trop... Non, il faut que je fuis. Mon câble est trop enroulé. Mais crève à la fin. Tiens, viens là, toi. Tu vas prendre pour tous les autres. Oh, j'ai chaud, je vous le dis. Bon, ça va faire une longue vidéo, hein. Peut-être qu'elle sera coupée en partie, on verra. Je verrai comment je vais monter ça. Ouh, c'était vraiment fait à la one again, cette... ce gameplay. Allez, viens là. C'est à moi, ce casse, maintenant. Oh putain, le screamer. Tu veux ton casque? Ça fait pas de dégâts. Oh, c'est chaud. Alors excusez-moi, oh là là, ça doit être infect. Je dois souffler dans le micro depuis tout à l'heure en mode dégueulasse. Oh. Bon, si je fais du montage sur cette vidéo, j'essaierai d'atténuer ça, mais... excusez-moi, hein. Mais ça demande du sport. Et j'ai pas de micro adéquat pour filmer de la VR. On fait ce qu'on peut, hein, on est des petits... Je suis un petit youtubeur, hein, je fais ce que je peux. Tu vas lâcher, toi? Putain, si on pouvait couper les membres dans le jeu. Bon, je l'emmène avec moi, voilà. Ça serait pas mon épée. Bon, si j'avais lâché, parce que là j'en peux plus. Ouh. Bon, ça doit être terminé de toute façon. Apparemment non. Ah, je crois qu'on arrive de l'autre côté. Enfin, du niveau où on était au début, quoi. Pff, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai que l'autre flingue. Hein, quoi? Ah bon? C'est cheaté! J'ai trouvé un cheat! Chat! Chat! Non, allez. On va pas te cheater. On va pas te cheater. Allez! Viens là. Oh, ouais, on a pas cheaté. Il est pas mort, l'autre au fond. Et lui, il met un instant. Putain, je l'ai transpercé de... dans le bide, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Il est ouf, lui. Eh bah, putain, faut en vouloir, hein. Je vais faire du sport, je vous jure, je suis en sueur là. Alors. Quoi? 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 Encore? Je vais en faire une brochette, moi. Alors. Tu marcheras moins bien sans ta patte! Il en a rien à foutre. Il faudrait un petit feu là. Puis je le fais tourner comme ça. Tu vas crever, saloperie! Ouh. Je sais pas pourquoi j'aurai tout le temps mon inventaire, j'aurai toujours pas de place. Alors, y'a un truc caché par là? Alors, lui. Même pas la peine de. Attendre quoi que ce soit. T'es mort? Ok, oui. Des petits trucs cachés, des petits... Keep out. Je pense que c'est un message pour ceux qui sont là-bas. Ouais, ça a l'air de ressembler au début du... Ouais, c'est ça. C'était le début du niveau. Vous vous rappelez, c'est là où il y avait
je me suis enfermé au début. Voici encore son casque. Oh, bah il semblerait qu'on ait fini. Je vais déposer tout mon loot dans la recycle bin, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Oh, il reste un ennemi. Eh, c'est un combien ça, aux fléchettes? Pas mal, hein? Plutôt proche du centre. Le tueur sanguinaire. Mais encore? Tu veux venir? Viens, je t'embranche. Saute! Allez, saute! Alors, on va essayer de monter sur ce baril sans le faire tomber. Oh là là, ça a été exécuté plutôt de manière efficace. Oh là là, il y a un truc là-haut! Quel chat j'ai eu! De faire tout ça. Alors, hop, technique du gorille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hein? Alors, d'accord. Une forme un peu bizarre. Où est mon épée? De toute façon, c'est fini, mais. Pas l'embrocher, hein. Dommage. J'aurais pu tous les mettre sur le long de mon épée comme ça. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Ce que j'avais dans mon dos, ça part. Ce que j'ai là. Et surtout, ça! Ça part! Bon! C'est terminé? Il y en a plus? Ah, là, c'est le. Handgun range! Est-ce que c'est le truc que j'ai fait tout à l'heure? Je ne comprends pas. On va le tester. Là, il y a un truc là. Ça, c'est la fin d'un niveau, ça. Ça, je reconnais. Là, il y a aussi quelque chose. Putain, il y a plein de trucs. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit pas. Ça se danse et ça se chante, ça se. Ok, quel intérêt? L'intérêt est minime apparemment. Handgun range. Comme ça que ça se dit. Quoi? Ah si. Ah mais j'ai jamais. Non mais. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ils ont mis une porte qu'on a jamais vue dans le jeu, qu'on peut ouvrir. Oh ouais. Ah ok, c'est juste un stand de tir, bien sympathique. Tous les coups ils ont mis des portes comme ça pour faire référence à un truc, c'est obligé. Ces développeurs ils sont fous. Ils sont fous je vous dis. Qui met la tour là-dedans? Ça chauffe, hein, ça surchauffe une tour. Hein. Personne fait ça. Très bien, très bien. Alors, on va juste tester ça. Ouais, c'est juste pour m'entraîner au tir, quoi. Pourquoi ils sortent ça maintenant? Putain, je croyais qu'ils avaient rajouté un shotgun. Je sais pas pourquoi ça. J'ai vu le truc là, je crois que c'est un shotgun. Je suis déçu. Raté. Voilà. Bon, et ben, chers combattants, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Comme il y a d'autres trucs à découvrir après, je voulais choisir si ça vaut le coup que j'en fasse une vidéo ou pas. Pour l'instant, c'était juste une petite vidéo en roue libre de réalité virtuelle. J'espère que ça vous a plu. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en faisant ça. Mais bon, je me suis dit, ça peut être sympa de découvrir ça avec les combattants. Oh, ok, pas grand chose à faire ici. Là, je remonte un truc à la physique de jeu. Là, je tire avec l'arme. Vous voyez le recul. Je tire avec l'arme au bout du bras. Le recul est dégueulasse. Si je la tiens contre mon épaule, c'est toujours pareil. Bon,
c'est le truc est minime. Si je prends à deux mains, le recul est bien plus sympa. Si je fais comme ça, enfin, je peux mettre n'importe quoi au-dessus pour la tenir. Bon, du coup, je peux plus viser quand même comme il faut. Mais vous voyez que tout est marche avec la physique en fait. Et c'est ça qui fait que ce jeu est si fort. On peut faire comme une Gatling avec ça. Si seulement j'avais un chargeur qui durait à l'infini. Allez, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Chers combattants, où êtes-vous? Où êtes-vous, chers combattants? Vous êtes par là. Je crois. Pas du tout. Vous êtes, je vais vous trouver. Vous êtes là, 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 vous êtes là. Chers combattants, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je me suis très bien amusé. C'était un peu en roue libre, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez la suite des trucs de la nouvelle mise à jour de Boneworks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un petit effort pour tester tout ça. Chers combattants, je vous donne rendez-vous au prochain combat.